Aujourd'hui les amis, on regarde les travailleurs et juste les travaux les plus satisfaisants. Je sais que parmi ma commune, il y a beaucoup de flemmards, hein, les gars, j'en fais partie, je suis là, on est ensemble. Mais venez, on contemple un peu des gens qui sont des métiers que nous, on n'aura sûrement jamais. Et juste, on regarde et on kiffe. Alors déjà, mettre une grosse boule dans de l'eau. Bon, ça, je fais ça quand je prends un bébé. Oh! Alors moi je pense que ça c'est faux, je pense que ça c'est en reverse, mais même si c'est faux, avouez avec autant de pièces, vous voulez trop aller à la fête des loges ou à n'importe quelle foire, juste pour faire la machine à sous là où on met les pièces et ça fait tomber des trucs. Et même on pouvait gagner des bails de ouf, genre une moto. En vrai les gars, les machines à sous c'est une dinguerie. Un jour je vais faire une vidéo où je vais dépenser 1000 balles là-bas et je vais repartir avec un stylo. Personne gagne là-bas. Ok, c'est quoi ça? Lui, il a voulu briser la glace avec sa meuf un peu trop premier degré. Je crois pas à quoi c'est ça de faire ça. Ok. Oh, c'est de la pierre, c'est beau. Oh, c'est détente. Oh, c'est un massage pour les oreilles. C'est quoi ça? Je sais pas pourquoi ça me donnait envie de rigoler tellement c'était... C'était bien, mais en même temps, c'était... Oh, la râpe, ça j'aime. J'aime et j'aime pas en même temps. Parce qu'une fois, j'ai fait ça sous mes pieds, parce qu'il y avait du fromage, c'était tout jaune sous mes pieds, et j'ai des mauvais souvenirs, ok? Oh, ça va être trop stylé. C'est comme ça que crée des vis, les gars. Par contre, tu mets ton doigt une fois, et c'est fini. En vrai, moi, quitte à mettre un doigt, je les mets tous, comme ça, j'aurai des doigts vis. C'est un super pouvoir inutile, mais on est là, hein. Si un jour, il y a besoin d'une vis, moi, je suis là. Quoi? Un scooter qui conduit tout seul? Mais c'est le truc le plus inutile du monde. Le but d'un véhicule, c'est de conduire quelqu'un d'un point A à un point B, mais s'il y a personne dessus, c'est juste du gaspillage. Mais c'est très stylé. Je vous avoue que la technologie pour faire ça doit quand même être abusée. Donc félicitations. Quoi qu'ils ont l'air de s'en battre les couilles, le mec, il est sur son téléphone, là-bas. Il est sur Tinder. Ok, c'est quoi ça? Là, j'arrive pas à savoir exactement s'il pisse ou s'il repeint un mur. Ok. Oh. Ok. Ça, c'est incroyable. Je sais pas si un de vous dans les commentaires fait ce métier, mais s'il vous plaît, manifestez-vous, c'est trop bien. Ok, 2020. Oui. Sauf que meuf, tu t'es un peu trompé, on est en 2023. Ah, ça, on l'avait vu dans une autre vidéo, c'est trop stylé. Ça permet exactement de conserver les formes et tout, et je pense que ça, pour le coup, c'est un objet qui a l'air ultra nul, mais qui, no joke, peut vraiment être utile pour beaucoup de gens. C'est trop bien fait, hein. C'est... Pourquoi personne n'y a pensé? Quoi? Mais c'est là qu'elles sont passées, toutes mes cuillères, mais c'est quoi ce... Les gars, mes cuillères! Alors, c'est incroyablement beau, mais c'est pas du tout un métier pour le coup, hein. Après, je suis youtubeur, est-ce que youtubeur, c'est vraiment un métier Oh, on dirait de la mousse à raser, c'est trop stylé. Ça me donne trop envie de toucher, de malaxer. Ok, je vais vous peindre en bleu votre voiture. Ah, vous voulez du rouge? Ben, je m'en fous, je mets du bleu, moi j'aime bien le bleu. Oh, en vrai, là, il pourrait laisser ça comme ça, hein. Tu vois, en mode, ça fait un peu un dégradé entre le bleu et le gris, moi je trouve ça beau, hein. Mais non, il va tout faire en bleu. En vrai, satisfaisant de fou, hein. Là, il fait quoi? Attends, mais elle met des vrais fessées à sa patte, là. On dirait du chewing-gum. Mais là, il y a beaucoup de trucs qui parlent de bouffe, hein. Vous commencez à donner faim à Rayton, hein. C'est pas bien. Alors, ça, c'est sûr, c'est incroyable. Il a des petites boules. Trois là. Enfin, quatre, trois. Attends, je comprends pas ce qu'il fait. Oula. Le cerveau de Rayton a cessé de fonctionner. Qu'est-ce qu'il fait là? Je crois qu'il fait une sorte de frisbee, hein. Ou un gros bouchon pour une grosse bouteille de bière. Parce que nous, on sait, les Chinois, ils aiment bien ça. Ok, frérot, qu'est-ce que tu nous fais là? Un petit vase. Oh, un petit vase éclairé. Et en plus, avec une fonctionnalité, la boule tourne. Inutile, donc indispensable. Oh, les trucs en fusion, c'est trop bien. Ça a l'air si satisfaisant parce que tu dis qu'après c'est bon, c'est dur, tu vois. C'est mou que pendant quelques instants. Un peu comme mon... Incroyable par contre. Très très cool. Bon, ça c'est des métiers que j'aimerais trop faire mais que pendant une journée parce que ça va être stressant au quotidien de faire des trucs aussi techniques. Ça c'est mon favori. Lui c'est mon favori, lui c'est mon chouchou. Je lui donne ma vie s'il veut. Oh! Alors, meuf, je pense qu'il y a des méthodes quand même plus pratiques qu'utiliser sa carte bancaire ou ses cartes Pokémon pour déblayer sa voiture. Et c'est pas un métier, ça, pour le coup. Si c'est un métier chez vous, je déménage et je pense que je fais un changement de carrière. En plus, c'est con, dans 5 minutes, il reneige, il y a de la neige. Attends, ça, c'est pour arracher la peinture des murs? Oh, c'est stylé, hein. Ok. Oh, t'imagines, il y a des poissons qui sont coincés là-dedans? Non. Mais frérot, t'es quel genre de rat? T'as acheté un vélo avec une roue. S'il te plaît, fais un effort. T'as eu l'argent pour acheter un casque, achète une roue. Ça se voit, lui, il est focus, hein. Là, t'arrives derrière lui, tu fais bah. Je te promets, il pète un câble et tu te tues avec sa hache. Avec sa scie sauteuse. En vrai, c'est le genre de métier où t'es obligé de travailler dans un environnement calme. Parce que là, tu fais une faute, t'es viré, en fait. Oh, c'est stylé, il y a des flammes. Oh! Ah, il est en roue arrière depuis tout à l'heure. Il est en Y. Ça, c'est quand t'arraches un petit pansement. Allez, frérot, continue. C'est trop satisfaisant pour s'arrêter. Oh,
Ça, c'est ce que tout chauve a besoin pour avoir un crâne lisse comme une boule de bowling. Moi, un jour, je sais que je serai chauve, tu vois. Donc moi, j'ai le droit de faire des blagues dessus. Toi, t'as des cheveux? T'as pas le droit. Oh, quand ça devient de l'art, les amis, vous savez très bien que je suis là. Hein. Rayton, 1 milliard d'heures de dessin au compteur, peut juger les gens. Oh non, on a même pas eu la fin du dessin. Je pense que je vais pas m'en remettre. Ok, ça fait un petit tour avec la bars. Je sais pas à quoi ça sert. On dirait qu'il a fait un sucre d'argent en métal. Ou une canne pour son grand-père. L'industrialisation crée un maximum de choses pour un maximum de gens en un minimum de temps. C'est vraiment ça les amis. Hein. En vrai, quand on réfléchit, tout ce qu'on voit là, c'est juste créer beaucoup pour plaire à beaucoup de monde. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt les machineries qui sont utilisées. Tu vois, genre ça, par exemple. Là, mettre des petits coups, c'est trop bien. Bon, ça, c'est juste quelqu'un qui nettoie sa voiture, frérot. Il y a plein de gens qui font ça en France et c'est gratuit. C'est quoi ça? C'est un bazooka à ciment. Ok, la descente de Orbiz incolore. Et ils mettent de l'eau. Non, ton tel, frérot. Genre, son tel, il survit. Ne tentez pas ça chez vous. Je vous jure, c'est un coup sur deux que vous perdez votre téléphone. J'ai déjà fait l'expérience. Ok, ça coule de source. Oh, c'est tout petit en vrai. Je m'attendais à ce que ce soit un vrai barrage et tout. En fait, c'est minuscule. Oh, des bouteilles. C'est sûr, elles vont terminer d'une couleur de ouf. Je pense que c'est de l'hydropainting, les amis. C'est carrément de l'hydropainting. Oh, c'est trop beau. Mais là, on peut juste regarder. En fait, tout est satisfaisant. Ça, c'est le gâteau portugais. Bien évidemment, aucune haine, hein, parce que à chaque fois, je fais une blague sur les Portugais. T'as tous les Portugais en commentaire qui disent « Ils parlent pas sur les Portugais !» Les amis, j'adore les Portugais. J'adore le Portugal. Moi, je suis britannique. Hein, vous pouvez faire autant de blagues que vous voulez sur les Britanniques. Je suis là. Oh, c'est une grosse cacahuète pomme de terre. C'est le kebabier. Non, par contre, c'est vraiment une pomme de terre, hein, je crois. Je rigole pas. Hein. Oh, le cheat code. Oh, lui, c'est un bon. Par contre, on est tous d'accord pour dire que ce jaune-là, avec ce blanc et ce rouge, c'est dégueu. Et c'est dégueulasse, frérot. Non, non, mais arrête d'en rajouter. On t'a dit que c'était moche. Voilà, fais comme ton pote. Fais tout d'une couleur, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Par contre, il en a partout, hein. Et lui, rentre à la fin de la journée, il mérite une bonne douche. Ok. Alors, c'est stylé, mais est-ce que vraiment c'est utile? Est-ce que j'ai besoin de ça pour faire la vaisselle? Je ne sais pas. Oui, j'en ai besoin. Il y a un smiley dessus, j'en ai forcément besoin. Ça te met de bonne humeur, ça te donne envie de faire de la vaisselle. Maintenant, vous savez quoi? On va dire embauchez-le et embauchez-le pas quand on l'embauche. Lui, embauchez-le. Lui, il coupe du bois. Ouais, embauchez-le. C'est vrai qu'on va embaucher toute la planète. Lui, oh non, c'est trop bien ce qu'il fait. Lui, j'en veux 5 comme lui, embauchez-le. Même ça, moi, je te le fais gratuit, hein. C'est même pas un travail pour moi, je trouve ça stylé. Est-ce que lui, on l'embauche? Ouais, frérot, t'as percé des trous. Je t'embauche pas. Tu ne seras pas utile dans mon équipe. Toi? La machine? Bah je comprends pas à quoi tu sers donc je t'embauche pas. Ça je t'embauche fort. Vous savez c'est le nouveau délire maintenant pour créer des maisons, ils utilisent des sortes d'imprimantes électriques, tu vois, mais géantes. Avec du ciment et tu vois, ça permet de faire des fortifications comme ça, sans forcément qu'il y ait un humain qui soit là. Après oui ça prend du temps, mais ça coûte moins cher que d'avoir un humain. Mais je t'embauche quand même la machine. What? Il fait ça sans gants? Il y en a, ils ont pas peur du danger hein. Il y en a, ça se voit, c'est des vrais mâles alpha. Ok alors toi est-ce que je t'embauche? Je le sens pas trop ton couref. Ouais, c'est douteux quand même comment tu fais, hein. Ok, est-ce que je t'embauche, toi? Je crois que oui, hein. T'as trouvé ça comme personne... Oh là 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 là, non, 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 je t'embauche pas, je t'embauche pas, je t'embauche pas. Regardez. Bien, bien. Celui-là, regardez. Il est pas symétrique. Tout n'est pas aligné. Tu es viré. T'imagines, la personne est chez elle en mode... Oh, j'étais viré. Ok, là, c'est quoi? Oh, c'est stylé au laser et tout. Est-ce que lui, je le vire ou je le garde? En vrai, il est trop bien sapé, tu sais, il est en costume et tout pour faire ça. Vraiment, c'est un bon. Tu sais, lui, il a pas peur de se salir. Ok. Alors, toi, je t'embauche. Juste pour ta patience, c'est légendaire de faire ça. Oh! Comment j'aimerais trop savoir faire ça, tu mènes la sensation de liberté que t'as. Tu sais, tu peux faire ce que tu veux, t'as l'impression que tout va bien. Au détail, toujours les amis. C'est beau. Dommage qu'on ait pas eu le dessin final. Ok, là il aspire tout. Attends, ils ont utilisé toute cette surface et toute cette matière juste pour créer un bol. C'est pas très écologique tout ça. Hein. Ça c'est la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Si vous voulez passer dans la prochaine vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Et utilisez le code créateur TheRayton dans la boutique Fortnite Epic Games. Pour ceux qui veulent me voir et me parler, je suis en live sur Twitch maintenant. Rayton TV sur Twitch. On se retrouve en live. Et mes autres vidéos s'affichent là pour ceux qui ont encore envie de se taper un petit moment de plaisir. Cliquez sur les vidéos et on se retrouve très bientôt. C'était Rayton et ciao.